En fait, il voulait mourir. Toutes ces histoires qu'il se racontait, les justifications... Il a perdu Félix il y a longtemps et il ne s'en est même pas rendu compte. Oh, Alexius. Cet Alexius était allé trop loin, mais l'Alexius de notre époque entendrait peut-être raison. Possible. C'est cette amulette qu'il a utilisée. Je crois que c'est celle qu'on a faite à Minrati. On a de la chance. Donnez-moi une heure pour travailler sur le sort dont il s'est servi, et je devrais pouvoir rouvrir la faille. Une heure? C'est impossible. Vous devez y aller maintenant. Alexius n'était qu'une marionnette. Cette fois, c'est son maître. On part devant, pour les détourner de vous. Nous allons écrire l'histoire. Le seul moyen d'en réchapper, c'est de faire en sorte que ce jour n'arrive jamais. Votre sort! Vous avez autant de temps que j'ai de flèches! Les ténèbres se rapprochent, mais je suis protégée par la lumière. Andraste me guide. Créateur, je suis à toi. Si vous bougez, on y passe tous. Il va falloir faire mieux que ça. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Vous avez gagné. Inutile de faire durer cette mascarade. Félix. Tout finira par s'arranger, père. Tu vas mourir. Il faut bien mourir un jour. Eh bien, content que ce soit terminé. Ou pas. Grande Enchantresse, nous aimerions discuter de la façon dont vous avez abusé de notre hospitalité. Vos majestés, en offrant l'asile aux mages, nous ne leur avons en aucun cas donné le droit de chasser notre peuple de chez lui. Roi Alistair, Reine Anora, je vous promets que ça n'a jamais été notre intention. Suite à de tels agissements, vos bonnes intentions ne suffisent plus. Vos disciples et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Quittez Ferelden, ou nous vous y forcerons. Mais des centaines d'entre nous ont besoin de protection. Où va-t-on aller? Vous allez venir avec l'Inquisition. Et quelles sont les conditions de cet arrangement? J'espère que ce sera mieux que ce qu'Alexius vous a proposé. L'Inquisition vaut mieux que ça, non? Nous avons besoin de leurs compétences, mais ils ne se sont pas montrés dignes de confiance. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter votre offre. Ce serait un honneur que vous combattiez aux côtés de l'Inquisition. C'est une offre généreuse, mais est-ce que le reste de l'Inquisition saura l'honorer? La brèche menace tout Edas. On ne peut pas se permettre d'être divisé. On ne peut pas se battre sans vous. Tout espoir de réussite passe par votre soutien.